Burkina Faso, formerly known as Upper Volta, is one of the poorest nations in the world. It won its independence from France in 1960. In August 1983, Captain Thomas Sankara took power and established a non-aligned socialist government. This documentary celebrates and assesses his commitment to bring about change and to empower the citizens of his country. Au pied de ce qui reste du pays des hommes dignes et libres, c'est un arbre géant défie la nuit et effraie les vautours. Rapace du pays maussi, je ne dirai jamais ton nom. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. C'est définir, c'est bien la chose la plus difficile. D'abord parce que l'on n'est jamais assuré de s'être cerné tel que l'on est. Je crois qu'il y a trois façons d'être. Tel que les autres vous perçoivent, tel que l'on se perçoit, et la vérité qui entre ces deux visions des mêmes individus. Ce dont je suis sûr, mais concernant, c'est que je suis un paquet de projets, de convictions, de foi en un avenir qui parfois requiert plus que de l'audace, du nihilisme. Pour le reste, l'histoire me jugera et me définira. Thomas Sankara. Le 21 décembre 1949, à Yako, l'endemain, le 22, j'ai téléphoné à son oncle Abel pour lui dire que nous avons eu un capitaine dans notre foyer, c'est-à-dire le troisième enfant. Après ça, les autres continuaient à appeler. Capitaine, capitaine, mon capitaine. En 1960, quand on préparait la dépendance, il a vu dans un papier et un journal qu'on a marqué le drapeau des Voltaïques à ce moment-là. Il a regroupé ses frères, ses amis, il y avait des petits Européens aussi. Il a fait monter le drapeau français pour pouvoir descendre ça après monter le drapeau Voltaïque. Alors, il y a un petit Européen, c'était son collègue d'école, qui n'était pas content pourquoi on descend le drapeau français et puis monter sur l'île de Voltaïque. Là, il y a eu le bagarre. Nous avons fait l'école primaire ensemble dans la ville de Gawa. Et les jeux d'enfants ensemble, et même nous avons servi la messe ensemble. Lorsque nous organisions nos jeux, très rapidement, il s'imposait comme le chef de groupe. Très respecté, il avait d'excellentes idées. Nous nous sommes rencontrés à Ouagadougou en 1977. Je venais de terminer mes études à Dakar. Je devais aller poursuivre en France. Quand il était à l'extérieur, il m'a écrit une lettre tout en disant, il y a une demoiselle qui veut venir vous saluer. Un soir, j'ai une demoiselle qui vient ici me saluer. Déjà, j'ai la lettre dans ma poche. On me demande comment vous appelez. Moi, je m'appelle Sylvie Mariam. Je dis, ah bon, ça va, c'est vous. Sa femme actuelle. Mais ce qui m'a frappé en lui, c'était sa simplicité. Il était très simple, il était intelligent et puis très sensible. Nous sommes arrivés à 79. Il était lieutenant, papa. Du devoir bien faire. Il travaillait beaucoup. Et c'était quelqu'un qui était contre tout ce qui était injustice. Il avait un esprit très militant qui dénonçait toutes les injustices, notamment déjà au sein de l'armée. Il discutait beaucoup, par exemple, avec des syndicalistes, les étudiants qui étaient militants, et tous les mouvements de lutte l'intéressaient. C'était quelqu'un qui était intègre.
et je suis devenu fonctionnaire. Je suis parmi, dans ma population, de mon pays, je suis parmi les 0,035% de ceux qui ont eu la chance d'être des fonctionnaires et d'avoir un salaire régulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des gens comme moi soient régulièrement payés et que le reste de la population, des millions et des millions de personnes, soient dans la misère continue? Non, cela n'est pas normal et nous luttons contre cela. À commencer d'abord par les principaux dirigeants, le président, ses ministres et tous les autres responsables. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. En conséquence, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Octobre 79, je continue d'entretenir mes relations avec Thomas Sankara, qui était à l'époque le commandant du CNEC, le Centre National d'Entraînement Commando, à Pau. Lors de ces visites, des séances de travail où nous essayons d'échanger des points de vue quant à l'avenir de la haute. Et les coups d'État se succèdent. Yaméogo, Lamizana, Seyezerpo. La politique s'éprend de sortir Thomas Sankara de son armée. Thomas Sankara a été invité, car ça a été un ordre, à prendre place dans le gouvernement du CMRPN. Il a refusé et a demandé qu'on lui confie une fonction militaire, fonction pour laquelle il était préparé. On lui a fait comprendre que c'était un ordre. Après de longues discussions, il a fini par céder. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les conditions. Avril 82, Thomas Sankara démissionne en prononçant cette phrase: malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Ce qui était un avertissement pour le pouvoir. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Je te dirai mes errances avec un crayon donné, une feuille de papier prêtée. Je te dirai le peu de ma grande question. Que la mémoire soit notre anneau de fer. N'oublie rien en chemin. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la Haute Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Touédrango. Peuple de Haute-Volta, tous en avant avec le CNR pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre révolution signifie également donner à voir au peuple. Et nous avons réalisé des forages depuis, partout à travers le territoire. Nous avons également réalisé des barrages. Les barrages ne sont pas très grands. N'allez pas penser que nous avons réalisé des barrages gigantesques dans le genre du barrage d'Assouan en Égypte. C'est trop grand pour nous. Mais c'est des tout petits barrages que les populations ont réussi à construire elles-mêmes, souvent en chargeant sur la tête les blocs de pierre. Parce que nous n'avons pas de brouette, nous n'avons pas de camion pour le faire.
Et nous avons dû creuser à la main parce que nous n'avons pas de bulldozer, nous n'avons pas les machines, les caterpillars. Le sacrifice. Et ce sacrifice commence d'abord par les dirigeants eux-mêmes. Dans notre pays, il est interdit aux ministres de voyager par avion dans les classes premières. Ils doivent voyager en classe économique. Nous avons supprimé les voitures de luxe et nous avons pris de toutes petites voitures pour nos ministres, lesquelles voitures sont économiques et permettent au peuple de récupérer les sommes ainsi économisées pour faire des dispensaires pour aider d'autres populations. L'analphabétisme. Nous sommes en train de construire de plus en plus d'écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, de 1960 à 1983, c'est-à-dire depuis la date où la France, qui nous avait colonisés, a permis à notre pays d'accéder à l'indépendance jusqu'au début de la Révolution, nous avons pu mettre à l'école environ 12% des enfants. On the material of the dress. It's the calendar of vaccinations for young children, including polio, DPT, I'm not sure the other one. Nous avons construit beaucoup de dispensaires. Nous avons vacciné les enfants contre les principales maladies, quatre principales maladies des enfants. Et cette vaccination a été un si grand succès que même les pays qui sont autour de nous ont fait vacciner leurs propres enfants. Les pays qui sont voisins du Burkina Faso. Et cela s'est appelé opération commando. Le terme est militaire, mais il signifie que nous avons voulu, en un temps très rapide, avec des moyens très limités, faire de grandes choses. Opération commando. Et cette vaccination commando a été un très grand succès. Nous avons vacciné des millions et des millions d'enfants à très peu de frais. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Thomas Sankara est arrivé dans un paysage politique qui stagnait. On avait l'impression que les chefs d'État africains et tous les acteurs politiques africains avaient pris leur marque. Et tout était figé. Et c'est sur ces entrefaites qu'est arrivé Thomas Sankara, qui tout de suite a montré que pour l'Afrique, il y avait peut-être une troisième voie. Il est arrivé en homme jeune, déterminé. On dirait aujourd'hui qu'il avait soigné son look. Une certaine impertinence dans le ton, alors que les autres chefs d'État qui était très soucieux du maintien finalement de l'establishment, des bons rapports entre la France et leurs propres États, bénissait toute impertinence. Sankara est arrivé à une époque où l'Afrique était confrontée à toutes sortes de cataclysmes, cataclysmes économiques, cataclysmes naturels. Et ce qui a été formidable avec lui, c'est qu'il a montré que la misère, ce n'est pas une normalité africaine. Que l'Afrique n'était pas condamnée à la misère. Et ça, il a montré en posant des actes simples et concrets, en s'attaquant à la déforestation du Burkina, à l'avancée de la sécheresse, en s'attaquant aux problèmes alimentaires. Il a été capable de fournir 2 repas par jour à tout Burkinabé en l'espace de 4 ans. Et ça, c'était formidable pour toute l'Afrique. Ça prenait à contre-courant toute cette ambiance d'afro-pessimisme. Ce qui était fascinant et émouvant dans l'expérience de Thomas Sankara et du Burkina Faso, c'était cette volonté de s'arracher au colonialisme, de mettre en pratique un programme de développement autonome, de faire appel à la participation effective des habitants du pays,
de réhabiliter aussi la fierté nationale, la fierté d'appartenance à une culture. Je dirais qu'il était exactement tout ce qui manquait à l'Afrique. Ce courage, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire et que les gens s'étaient accommodés à leur sort, il représentait aussi une jeunesse tout à fait pleine d'espoir par rapport aux vieux dinosaures qui hantent toujours le paysage politique africain. Et troisièmement, il apportait la dimension morale qui nous manquait, c'est-à-dire que l'image qu'on avait des dirigeants africains était celle de personnes corrompues et dont il n'y avait rien à tirer. Puis il est arrivé, il a montré à tous qu'on pouvait être fier, digne, se mettre au service d'une nation sans se remplir les poches. Le territoire libre d'Afrique, dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. La Haute-Volta. Le Burkina est un État démocratique. Ce nom Haute-Volta, Haute-Volta en anglais, a été légué par la colonisation. Mais afin de retrouver notre identité culturelle, nous l'avons rebaptisé Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes libres et dignes. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Ouagadougou, le 2 août 1984, capitaine Thomas Sankara. How are you? Fine, how are you doing? I'm Barbados. From Barbados, bye-bye. Yeah. Thomas Sankara était un homme très travailleur. C'est un homme révolutionnaire. Et nous comptons toujours sur lui. Et la terre soit légère pour lui aussi. Quand j'ai rencontré Thomas Sankara, je n'avais pas l'impression d'être une femme. J'avais toujours en face de moi quelqu'un qui me prenait sur le même pied d'égalité. Il discutait. Et il essayait surtout de me convaincre. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs de leurs arguments, c'était difficile de discuter avec lui. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas. Mais moi, j'étais un homme immortalité du baobab. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais. Nous avons honte quand nous entendons parler d'Africains qui achètent des châteaux en Europe ou qui déposent des gros comptes dans les banques en Suisse et ailleurs. C'est une honte. Pendant ce temps, beaucoup d'Africains sont là misérables. Donc, nous ne faisons pas perversement. C'est pourquoi notre révolution, c'est aussi la lutte contre la corruption. Et cette lutte contre la corruption, nous sommes impitoyables là-dessus. Nous faisons des procès publics qui dénoncent les voleurs, qui dénoncent tous ceux qui ont détourné de l'argent, les biens publics. Et nous les sanctionnons très sévèrement. Bien entendu, ces gens que nous sanctionnons ne manquent pas d'occasion de s'opposer à notre régime et de le présenter à l'extérieur comme étant un régime fasciste, un régime dictatorial. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal.
des soudards égorgent la liberté. Pour d'ébène en bandoulière, la Kalachnikov fratricide portée en galon des capitaines, la gloriole de leur crime appelle le crachat 15 fois. Le 15e jour de tous les 10e mois, nous n'oublions rien en chef. Ces militaires pourris. Alors il faut les chasser. Nous les chassons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la vie. Coûte que coûte. Là-bas, les baobabs des Dagnuets troublent le sommeil des assassins. Traître, je ne dirai point ton nom, triomphe de ténèbres. Horizon qui s'habille de lumière à 6 heures, écarlate sanguinaire à l'autre 6 heures. N'es-tu pas la seule destination de chercheurs?